Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Lobotka qui va donner un premier bon ballon et pour une première occasion, ça va passer juste à côté. La transversale maintenant. C'est bien fait avec cette Blind qui a mis la tête là, oui, qui trouve un coéquipier, ça combine bien dans le rectangle. La frappe, elle va arriver et elle est déviée. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Je n'en suis pas sûr du tout, mais en tous les cas, eh bien voilà. Ouverture du score. Et donc le but sera sans doute accordé. Eh bien ça commence parfaitement pour les hommes de Schröder. Ouais, ça repart bien la côté gauche avec maintenant de l'espace qu'on est parvenu à se créer. Avec donc la montée d'Oliveira qui est dans le rectangle. Elle est belle, c'est là et c'est l'égalisation. C'est magnifique, c'est juste parfait. Hein, et Raspadori dans la forme de sa vie, véritablement égalisation. Ouais, bien fait, la petite feinte là sur Basset, le centre, la reprise, ou le gardien avec le duel dangereux. Ouais, quand on dit que le métier de gardien est un métier dangereux, voire un peu de fou. Et on l'a joué différemment cette fois. Et c'est magnifique, quel centre juste millimétré sur la tête donc du capitaine hein, Giovanni Di Lorenzo. Et donc Naples qui passe devant. Oui, bien joué de la part de Raspadori. Et de l'espace là pour Zielinski qui va filer au but pour le troisième. Ouais, ça rentre, quelle efficacité. Pratiquement à la 45e minute et voici Zielinski. Voilà, c'est terminé. Évidemment, les supporters de l'autre camp sont loin d'être ravis. Lozano. Quand la petite combinaison avec Raspadori, le 1-2 n'a pas pu avoir lieu. Et maintenant, c'est à Passevert de relancer proprement, mais c'est un mauvais ballon pour Basset. Attention à Anguissa, Lobotka, aïe, 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 la punition. 1 minute 22 secondes de jeu, ça fait un but à 4, mais au départ, quelle erreur, c'est pas la première d'ailleurs. Voici Kvaratskhelia qui aime bien venir là de rentrer dans le jeu depuis la gauche. T'as le 1-2, ça va être but encore, ça va être but et c'est 1-5. Mais que se passe-t-il au sein de cette défense de l'Ajax? 1-5, la correction. Alors le coup de coin, la reprise et passe vers. Un centre de Di Lorenzo repoussé, Elmas récupère, il y a une petite faute et même une grosse du bras effectivement de la part de Tadic qui prend un carton, il n'en avait pas pris un tout à l'heure, si, ben oui, non vraiment ça tourne complètement au vinaigre cette partie. Dombélé, ouh ça va arriver, et voici le sixième, l'addition
s'alourdit. Simeone, deuxième but pour lui dans sa carrière en Ligue des Champions. Le centre est pas mal, Dembélé, et c'est la barre transversale qui évite un septième but. La soirée a été cauchemardesque véritablement, pourtant l'Ajax a mené. Ce résumé vous a été présenté par FedEx. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.